Il y a des fois que c'est dur le chat, mais là, tu es vraiment dur. Là. La tête d'âge. Tu fais vraiment 5, comme dirait mon chum G, là. Tu fais gigon pas mal. Lundi matin, 8h05. Pas pour rien qu'on est prêt à partir. On a le courant. Sur le bon côté, qui va nous pousser, nous aider. Puis en plus, ça c'est un petit bonus ce matin. Zéro vent. Zéro vague. Pouah, matin. Un petit peu de brume. Juste assez pour faire des beaux portraits. Ah ben. Une belle vue sur les oiseaux un matin. Et assurément qu'un départ de bonheur demain, il est 8 heures pour un retraité, là. Après du café. Un petit café quand tu es bouché de brume. Il n'y a rien de plus beau que ça. Un petit passager clandestin ce matin. Je vous dis qu'on peut rien prendre pour acquis en bateau. On se lève tôt pour avoir le courant dans le dos, puis clencher, donner une grosse go, puis faire au moins la moitié de la Georgie aujourd'hui. Je peux pas avancer trop vite parce que je vois pas à moitié où je m'en vais. Même si on a les instruments, on peut pas clencher en débile mental parce qu'une bonne grosse bûche, surtout un crab pot, là, une cage de crabe, ça pogne dans l'hélice, là, ça va pas bien. Ça me tente pas d'aller jouer dans ce taux-là matin. C'est drôle, hein? Pas 73, là. C'est fort baignable. Ah, oh, justement, on parle de ça, hein? Vous pouvez voir à la surface, là, il y a quelque chose qui flotte là pour pas qu'elle. Ah, c'est un dos! Mon Dieu, on dirait un dauphin. Un dauphin qui dort. C'est quoi cette affaire-là? Je crois qu'il est pas mort. Éclairé. Fait que si tout va bien, ce soir, mardi soir, je devrais faire dodo en Floride. Oui, oui, la Florida. Iha. Comité d'Overwatch, parce que la Floride arrive pour moi dans peut-être un jour. Party pogné. Ouais, je vous le dis, des fois c'est de l'ouvrage, mais d'autres fois, tabarnouche. Hier, Yo, c'est-à-dire Jean et Linda, sont une journée d'avance sur moi, là, fait qu'ils m'ont suggéré l'ancrage, le mouillage ici. Seul au monde, ah, c'est l'ancrage de la muerté, on va vous dire, là. Regardez bien ça. C'est un paradis. Mais sérieux, là. Ha! 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 Ou des panoramas de même, là. À Cumberland Island. Aux frontières, pratiquement, de la Floride. Demain matin, avant midi, demain, je suis en Floride. Yo! Une autre étape. Check! La Florida! Parce que j'ai de la visite au mois de décembre.
début décembre. Excusez-moi, il y en a un, il vient d'aller chercher un snack. Comment se plaindre? Tabouère. Puis, c'est quasiment encore plus beau, je vous dirais. Façon de parler, parce que je suis seul. Pas que je suis un maudit loner, puis j'aime pas le monde, c'est pas ça. Mais je l'ai déjà dit, je vais le répéter, on absorbe plus les trucs quand on est seul. Tomber célibataire demain, vous allez au cinéma tout seul, vous allez voir plein d'affaires que vous n'avez jamais vues. Aller au restaurant tout seul, vous allez remarquer des choses que vous n'avez jamais vues. Même concept le bateau, quand t'es tout seul, je sais pas. C'est comme ça. Ça se comprend-tu? J'espère. En tout cas, je le disais souvent au monde, quand j'étais à Blanc-Sablon, j'avais ma moto marine, puis je sortais au printemps, puis les icebergs étaient là. Puis j'étais seul au large avec les icebergs, gros comme un bloc appartement. C'est là que j'ai découvert que des fois, vivre les choses seules, parce que j'en ai du monde, évidemment, ben, les fois que j'étais allé seul, le rapport est pas pareil avec les grosses bébites de la nature. C'est, ça a l'air bien niaiseux de même, là, mais on avait des dauphins là-bas, on avait des baleines. Fait que là, je me suis ramassé avec des baleines puis avec des icebergs. Bon, même vous mettre une couple de clips vidéo pour montrer que je suis pas plein de ça. C'est sûr, la qualité de l'image, là, on est en 80, on est en 2000 à Blanc-Sablon. Très beau coin de pays, si vous pouvez vous rendre, il n'y a pas de route. Fait que tout ça pour vous dire que, oui, oui, faites les trucs à 2, puis à 5, puis à 12. Mais n'hésitez pas à le faire seul non plus. C'est pas la même dynamique, je vous le dis. J'ai aucune misère avec la dynamique ici. No. Au pays de l'oncle Sam. Facebook, l'ont vu mercredi à 11h38, on rentre en Floride officiellement. Je descends jusqu'à Miami et de là, il s'agit d'attendre une fin de météo. C'est quoi une fin de météo? Le Gulf Stream, le courant, remonte sud vers le nord. Il est à 3 nœuds en moyenne. C'est une traversée qui est vraiment ouest-est. Ça va être d'attendre la fin de météo, ça peut prendre 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours. C'est pour ça que j'arrive tôt, parce que j'ai de la visite. Début décembre, il faut que je sois en assaut. C'est parce que présentement, il y a de la vague de 3 pieds et demi, 4 pieds sur la mer. On attend que ça baisse, évidemment. Et même la journée que le vent baisse et tout, il faut quand même attendre 2 jours que ça se résorbe. Parce que la vague, même si il n'y a plus de vent, la vague, elle, la pression d'envol, elle va continuer. 50 000, à peu près 10 heures de bateau pour rentrer au Bahamas. Avec un petit flag jaune. Pour montrer qu'on n'est pas dédouané encore. Je débarque et je vais me dédouaner et je dors ma première nuit au Bayamar. Oui, parce qu'il n'y a pas d'eau. 6,7 jours selon mes calculs et je suis à Miami. Donc, pas de grande visite en vue. De toute façon, c'est la ville, c'est moi la ville. J'en ai eu assez des villes. Je veux des villages. Qu'est-ce qui fait pas ton bonheur? T'as de la bouffe? T'as de l'eau? Hein, oui? Je te maltraite pas à ce point-là. Qu'est-ce qui te manque d'abord? T'as les jetis, t'es logé, nourri, puis tu voyages. Je veux pas t'en chialer. Tu clair, ça? Hein? Non. C'est-tu clair? Ah oui, couche. Non, un beau coucher de soleil qui s'en vient. Rien de chialer. Boude pas. Tu boudes, là? Ouais. Ça, c'est ni accéléré, ni ralenti. Faire le courant. C'est fou. Le courant qu'il y a dans l'intracostal, là.
tout le temps après, soit le combattre ou en profiter. Ça commence bien la journée à Sisters Creek. C'est beau grand météo. Wow. L'autre chiffre bien important qu'on a, c'est lui ici. 746, ça c'est le mile marker. Ils ont marqué l'intercostal au 1000 ou à peu près tout le long, afin de pouvoir se repérer, se retrouver. Donc ce matin, en quittant Sisters Creek, on était à 730. À peu près, on est à 746. Miami est à 1091. Donc, comme juste un 300 000 à me clencher cette semaine. Mais ça va bien. Je peux pas me plaindre. Je sais que je peux pas me plaindre. À chaque fois que je me plains, je me le fais dire sur Facebook. Arrête de te plaindre, t'es retraité, tu vis sur ton bateau. Fait que je me plaindrai pas. Les chefs de police qui sont élus. Oh! Ouais, moi, je trouve tellement que ça fait peur. Ah! Intercostal en Floride, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Perte de vue. Oh, il y en a qui aimeront pas ça. Trump 2024. Ils l'ont pas oublié. Quand on navigue toute la journée comme ça, ben, on n'a pas le choix. Au volant, une bonne petite canne de chili. Puis, en naviguant, on met ça sur le cruise, puis sur l'autopilote. Ben ouais. Ouais, c'est quand même bon, là. Dîner pour une pièce et demie, là, ça a pas de prix. Regardez-moi ça. 8,5 nœuds. Donc, quand t'as cette vitesse-là en voilier, t'en profites. Puis on est rendu au mile marker 768. Et voilà le port de Saint-Augustine. Saint-Augustine. Une partie du port parce que c'est quand même très gros Saint-Augustine. Très gros et très beau. À mon québécois. Puis là, là, j'ai pas de mouillage pour un maudit bout. Même un mouillage là, forcé là, au bord, là, aussitôt je suis en moins vraiment l'intracostal, 5-6 pieds d'eau, je suis à marée haute. On va voir ça va nous mener où, là, mais là, je trouve que. Mais au moins, on arrive. Ah, on a dépassé le 800. On est à 802 000 markers. Ah, ben, la clarté achève. Il est rendu. 8h10, toujours pas de mouillage. Là, je commence à le faire. Ça descend bien, j'ai encore 7,3 nœuds. Mais là, on va faire la planque bien bon matin. Mais là, je vous dis, il y a un stretch, je suis pas vraiment de kilomètres, il va falloir que je regarde sur les cartes. Il y a un méchant stretch, là, qui a zéro mouillage. Bon, improvisation mixte en titi, mais moi, je savais recevoir des claques plus que d'autres choses. 9h01. On n'y voit plus grand chose. Toujours pas de mouillage. Donc, navigation de soir, pas évident, faisable. On a baissé la luminosité sur tous nos appareils pour garder notre vision nocturne. Donc, je vois les bouées, je vois les petites mines qui traînent à gauche à droite. Je me tiens sur la ligne de bord 423, justement pour être sûr que je suis au plus creux du canal parce que les.
les pêcheurs de crabe, ils mettent ça à la ligne entre le bas fond et le haut fond. Donc, tant que je colle pas trop les côtés, je devrais pas y ramasser. Il y a un pont à l'autre bout, là, j'ai encore un petit bout à faire. Juste au bord du pont, il y a un quai gratuit que t'as pas le droit d'aller la nuit, mais ça veut dire au moins que j'ai de l'eau. Si j'ai de l'eau, ben je vais rentrer là, m'en domper l'angle, puis il me donnera un ticket s'il veut. J'ai pour une pause. Je pense que je vais me gâter d'un petit rhum à soir. Saint-Augustine, là, faut que tu couches là. Et le pire, c'est que j'étais supposé prendre la Périllo avec Guillaume. Puis j'ai décidé de descendre parce que j'étais encore à 7 nœuds pareil, ça descend très bien. Là, je viens de faire ouvrir un pont en bascule dans le noir. C'est très plaisant, mais écoutez, naviguer aux instruments quand on voit moindrement. C'est comme un jeu vidéo, même affaire. C'est, t'as ton petit bonhomme puis tu restes dans le train. T'as pas besoin de mettre des trains en dessous à tous les 5 minutes. On va l'avoir. On va l'avoir. On lâche pas. De toute façon, rendu là. En tout cas, t'as même pas le choix. T'sais, c'est pas comme si, non. Je peux pas me mettre à l'âme. Je peux pas dormir en plein centre de l'hydrocostal. Parce qu'une barge qui va passer, même si mes lumières sont allumées, aux autres, il y a pas beaucoup de freins. Hein. La vie de bateau! La vie de bateau! Oh non. C'est quand même spécial naviguer le soir, la mer. Les bouées ne sautent pas vraiment en face. Il est 20h15. J'ai réussi à me mettre à l'angle. Juste arrivé au pont de Ormond. Surprise, un mouillage gros comme un autobus scolaire. 5 pieds 9 de profondeur. Allez, genre, check, double check. Je rentre ici. Écoutez, mon iPad, il est mort. Puis de batterie. Mon truc qui donne le signal GPS au iPad, il est mort. Il est 20h passé, fait que ça fait 10h30 au-dessus que je suis au volant. Donc 72 000 nautiques de fait. C'est vraiment... Je l'ai dans le corps là, mais c'est fait. C'est une maudite bonne go. Bien content. Pas frappé de bouée, pas frappé le fond. Mais je sais pas si vous remarquez, ça brasse. Je suis au beau milieu, je suis pas protégé nulle part. Il vente à mes cornets. Donc la vague, évidemment, ben, ça va tourner avec le courant, parce qu'avec le courant, c'est ça qui arrive. Si le vent est dans le même sens que le courant, puis toi, tu te mets à l'angle, ben, 6 heures plus tard, tu vas avoir les foufounes dans le vent. Fait que là, la vague, a fait caflac sur le tableau arrière, sur le derrière du bateau. C'est pas cool. Puis un courant comme ça ici, là, en tout cas. Regarde, hey, je suis tellement juste content de m'être trouvé un mouillage, puis prendre une pause, puis là, j'ai sorti mon rhum. Ça faisait quoi, 2 semaines, j'ai pas pris un rhum? Ça va être mon souper parce que je suis brûlé. C'est très particulier le feeling que t'as plus de contrôle. Si t'as pas de mouillage, t'as pas d'eau, tu peux pas arrêter. C'est pas, t'as pas un break à bras, t'es pas sur l'autoroute là. Tu peux pas arrêter. Je vous le dis là, après Saint-Augustine, il y a une espèce de fort là, peut-être 5000 après, il y a un fort. C'est le dernier ancrage. C'était écrit là que c'est un des derniers là, mais c'était comme le dernier. Pour un bout, puis regardez, j'ai payé pour. Mais regardez, c'est la vie. Je suis pas mort, j'ai mal dans le cou, mal partout. La vie de bateau. Ah oui, la vie de bateau. Ah, la vie de bateau. Pas trop. On reprend ça demain. Ça, c'est la petite face à laquelle j'ai le droit le matin. Bonjour. Ouais, se faire flatter, ça c'est important. 7h le matin, ça prend ça. Vendredi matin 4, juste vous dire un peu des fois la chance et les risques de la conduite nocturne, du moins dans l'intracostal. Je me réveille ce matin et je regarde le champ de mine autour de moi. C'est sûr que mathématiquement, mon hélice a vrai 12 pouces de large. Pogner la corde, faut pas être chanceux, mais en même temps, elles sont pas mal parallèles à notre trail, mais bon. Et voilà, je sais pas si vous voyez là-bas. Là-bas, 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 ici, entre les deux autres. Il y en a partout. Partout, là-bas, un, deux, trois autres. On a réussi à passer, sans le savoir, zéro mérite, là, à passer au travail du champ de mine, sans exploser. Ceux qui l'ont fait, l'intracostal, savent de quoi je parle. C'est partout. C'est jamais à bonne place. Mais bon. On doit faire manger les familles, mais bon. Fait que, on passe ce matin, Titusville. Youhou!
Ce soir, je sais où je couche. Je sais tous les ancrages sont où. Puis je m'ambitionnerai pas. C'est surtout ça, c'est l'ambition, hein. Quand même, il y a du fini, là. La belle petite brique, tu es pilier, pis tout. Wow! On vient de passer ce terme-là, et qu'est-ce que je remarque? Oh! Léo est à 86! Ha! 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 On aime ça! Fait que, il y a des crocodiles, des alligators. On est arrivé à Titusville, mon petit loup. Ouais. Tu es content? Tu es content? Titusville, c'est pas rien. La NASA est ici. Oui, enfin arrivé à Titusville. C'est pas long que tu fais le tour. C'est curieux parce que Cap Canaveral est à côté. Plateforme de lancement de Rocket à côté, juste ici. Le coin de la marina, c'est cute. Tu fais 100 pieds dans la ville, c'est une dompe. C'est sérieux, là, je suis allé à l'épicerie, c'est tout petit. Je pense que j'ai pas vu deux personnes qui étaient pas sur le crack. Ouais, c'est bizarre. Autant c'est un gros spot américain, puis bon. La marina, c'est bien correct. On met du gaz, puis on part. Donc, on continue le marathon. Cette semaine, ben c'est ça, oui, l'épisode, vous avez vu, on a moins visité parce que je suis sur un sprint final, façon de parler, pour descendre le plus bas possible, pour traverser au Bahama. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Ceux qui veulent des nouvelles plus fréquentes, je vous le dis, c'est sur Facebook, sur le projet Blair 2.0. Il y en a qui m'écrivent perso, qui me demandent des demandes d'amis sur Facebook perso. Je les prends quand même, mais j'alimente plus vraiment mon Facebook perso. J'alimente beaucoup plus le Facebook du projet Blair 2.0. J'espère que l'épisode vous a plu. Ça commence bien votre dimanche soir. Si c'est le cas, ben abonnez-vous, parlez-en à vos amis, partagez. Puis on se voit ben dimanche prochain pour un autre épisode. Puis d'après moi, on va être rendu à Miami. C'est supposé, à moins que la vie de bateau, il y a des surprises. Mais on devrait être bon. Donc Rocky et moi vous disons bonne semaine, bon vin, bon vent. Ciao!